Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Alors encore un bug de tournage, chers amis, je suis sincèrement désolé. Donc j'ai réalisé l'émission qui était ici sur le truc. J'ai récupéré le bonhomme, en fait simplement c'est je le ramène à la maison, ça a été très très simple. Malheureusement vous avez perdu un tout petit peu de cette histoire là du coup. J'en suis désolé. Maintenant le truc en question c'est cette région là, c'est ce bonhomme là, on n'a pas eu d'informations, je pense qu'on l'avait déjà vu. Grosso modo, c'est les espèces de comptables, vous savez, ceux qui font le business finalement. Donc voilà, je suis à côté de lui, je suis sur le point de le filer pour pouvoir suivre ses mouvements et remonter à une information, enfin une source plus importante. S'il veut bien partir. Quand tu veux, cher. Le véritable problème, c'est que apparemment, ce monsieur n'est pas du tout pressé. Est en train de se barrer. T'as dit, ce monsieur est sorti. Alors, du coup, j'aimerais bien récupérer. Vous êtes fait repérer par un autre personne, voilà. C'est débile. C'est absolument débile. Alors, vous allez comprendre ce qui m'énerve dans cette mission, c'est la 2e ou 3e fois que je la redémarre. Donc la 3e fois, une fois de plus en fait maintenant. 3e ou 4e du coup maintenant que je la redémarre. Ce qui m'emmerde, vous voyez, c'est qu'en fait le personnage va rester sur place, va attendre que je m'approche pour partir. Alors qu'on a des missions où justement le véhicule est déjà en route, etc, etc, etc. Là il attend qu'il faut que je m'approche pour qu'il réagisse. Je suis extrêmement déçu. Et justement je suis en train de parler dans ce jeu qu'il n'y a aucune évolution du jeu vis-à-vis de l'histoire. Exemple, j'aurais bien aimé qu'au tout début on voit des centaines d'ouvriers maltraités, oppressés par les sicarios. Finalement, on n'a rien vu de tout ça. Je vois un type qui a l'air d'être l'assistant de l'agent Del Chido. On fait quoi? Si on le chope, son boss va comprendre qu'on en a après lui. On va se contenter de le suivre, découvrir ce qu'il fait, qui il voit. Si on se fait repérer, c'est foutu. Ok, je mets ça là. Ce monsieur s'en va. Sans doute dans la voiture grise garée là-bas. En fait, non. T'es pas sérieux. Bonhomme, il a des yeux dans le dos, quoi. Quoi ? La moto est pour moi. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'ai des gros doutes sur la continuité de cette série, parce que j'ai pas l'impression de jouer à un jeu avec une histoire, j'ai l'impression de faire une série de missions sans véritablement d'incidence sur le reste. Et en plus de ça, il est un poil pété au niveau de l'IA, hein, dans le sens où une personne vous voit, il y aurait un camp de 90 personnes qui vous verraient à travers les murs d'un seul coup. C'est un bon jeu sur beaucoup de points. Et en fait, c'est ça. C'est un bon jeu sur beaucoup de points. Mais sur autant de points, c'est un très mauvais. C'est sur un peu moins de points. Non, un peu moins de points, faut pas exagérer non plus. C'est un très mauvais jeu. Donc en fait, il y a beaucoup de très très bons, mais il y a aussi du très très mauvais. Je vois un type qui a l'air d'être l'assistant de l'agent Del Chido. On fait quoi? Si on le chope, son boss va comprendre qu'on en a après lui. On va se contenter de le suivre, découvrir ce qu'il fait, qui il voit. Si on se fait repérer, c'est foutu. Cette fois-ci, on va y arriver. On va attendre qu'il prenne la bagnole. Voilà, il est en train de rentrer dedans, là. Il s'en va. Si de rien n'était... Et donc, moi, je n'ai plus la bécane. Génial. Ok, on est bon. Pas en dessous des 200 mètres. Tais-toi, Sueño. Putain, c'est une putain de base ennemie, ça.
une seconde. L'assistant s'arrête dans ce grand bâtiment. C'est peut-être là qu'il va rencontrer son interlocuteur du cartel. Il faut qu'on écoute leur conversation. Tu crois qu'on aura la place de manœuvrer là-dedans? On envoie un drone pour enregistrer la rencontre. Autant éviter de se faire repérer. Ok, fin de la mission, c'est ça? Voilà. Leur lieutenant est en fuite. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Ok, j'en ai abattu un. C'est bon, y a pas de casse. Cible repérée. On progresse. J'ai autre chose à foutre. J'en vois un autre. J'ai repéré un capitaine. Ok. Je vois un cycle à côté de la décharge. Y a des civils dans la zone. J'en vois un qui se traverse. Cible à sortir. Ok. Non, non. Je suis pas repéré du tout, monsieur. Moi, je suis parfaitement. Attendez. S'il n'y a pas d'autre entrée. T'inquiète. Sympa les statues. J'ai un problème de portée. Mais ça... ça ne peut pas s'arranger. Dommage. Je dois donc me rapprocher. Voilà. Plus planqué, tu meurs. C'est que ce bordel, je dois me... Qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont trop pire, recule. Je sais même pas ce que je suis censé filmer, y'a rien d'avoir rien à filmer en fait. Putain, ça y est. Il est à peu près des civils. Ok, apparemment. C'est bon. On a ce qu'on voulait, on dégage. Bowman, on a suivi l'agent d'El Chico. Oh, j'ai envie de tenter un truc. Santa Blanca. Les gars du cartel tenaient absolument à ce qu'ils diffusent ces produits dérivés. Ça marche pas. Eh ben non. El Chido fait beaucoup pour l'image de marque du cartel. Ce camion, c'est de la propagande à tête voilée. Alors on va le détruire. Ça tombe bien. Holt, il adore faire sauter des trucs. Juste le camion, ça ne suffit pas. Il doit y avoir un entrepôt plein de merchandising. Le merchandising. Pour SDK. Ok. Je vais demander à Pat Qatari d'envoyer une réplique du camion promo.
D'accord. Oh oui. Ça me paraît risqué. T'as déjà un camion ? Je vais faire le nécessaire. Vous, occupez-vous de voler celui du cartel. Et continuez à voir ce qu'on peut faire pour saper l'influence du cartel dans le secteur. Reçu. On va chercher ton poids lourd. Ok. Bon, bah, on va chercher un camion. Nous avons localisé l'entrepôt où est stocké l'équipement. En partant de là. Ouais, vous voyez ? C'est pas tué, mais vous voyez, c'est pareil, c'est infiltré en fait, c'est de l'infiltration totale. Et le seul but, c'est de réussir à atteindre l'objectif une fois être infiltré. Ou une fois sur l'objectif. C'est vraiment extrêmement redondant et t'as pas l'impression de faire avancer les choses parce que dans l'univers, rien ne se passe qui te montre que... Par exemple, je vais prendre Far Cry Primal, plus vous capturiez de zones, plus vous voyez d'alliés dans votre zone, plus vous voyez de camps, plus vous voyez de gens dans votre camp à vous, à la maison, il y avait une évolution. Vous voyez, il y avait le jeu voulait vous montrer que ce que vous faisiez avait un impact. Et là, alors que, apparemment, on réduit en cendres des parties complètes de son cartel, il n'y a aucune évolution. C'est ça que j'aimerais comprendre. Toute la pluie tombe sur moi. La 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 la. Ok, pile là où je voulais aller, c'est génial. Alors, apparemment il y aura un camion dans le coin. Wouh. Alors, localiser le camion. Ah bah. Le camion est garé dans ce hangar. On se fait pas remarquer et on le fauche avant que le cartel s'aperçoive qu'on s'est incrusté à leur petite fête. Camion promo en visu. Bowman veut qu'on le remplace par un autre qui explosera à destination. L'objectif, c'est de détruire l'entrepôt où sont stockés tous les produits dérivés. Faut qu'on agisse vite et sans se faire repérer. Question, est-ce que je suis le seul à voir le hangar? Est-ce que vous le voyez, vous, le hangar, chers amis? Ça m'intéresse. Parce que là, pour le coup... Jamais 203. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Là, cible numéro 5. Visuel. À côté du point de contrôle. Battez un peu tout ça. Ça dérange pas si je prends un CD ou deux? Attends, tu peux acheter ces MP3 en ligne. Là, c'est gratos. Oubliez un peu la musique, il y a plus urgent. Il faut encore qu'on aille échanger ce camion ou prendre rendez-vous. Je suis pas d'accord. Avant que quelqu'un s'en aperçoive. Oh merde, c'est pas la bonne direction. Discrétion d'un camion qui fait de la marche arrière avec deux hommes lourdement armés dedans. Mais ce n'est pas grave. Alors, le camion glisse. Ouh! Ouh, la foudre! C'était bien fait, ça! Encore? J'en veux encore! Montre-moi de la foudre! Allez, vas-y, fais péter! Il y a un temps! Il y a un temps! Oh, ça va, il n'y a pas loin. Putain, je viens de me rendre compte qu'il y avait un temps que maintenant, en fait, moi. Désolé, l'autruche. J'ai buté un truc, je crois que c'était une autruche. Euro Truck Simulator, hein, le retour. Ok. Grouillez-vous, il faut qu'on ramène l'autre camion. Quoi ? Kérolio, amigo, t'as un camion à échanger ? Ton espagnol est presque aussi laid que ton anglais. Le voilà ton camion. Tout le C4 est armé et nos préparateurs ont appris chez les communistes. Alors faites bien gaffe dans les virages. Merde. Dépêche ! Là, aucune chance. Déjà pour venir ici, j'ai failli me chier dessus. Bonne chance, Yankee. J'ai 45 secondes pour ramener le camion sur place. Allez ! Avant
avancer sans moi. Oh, ça va être tendu du slibard. Ça fait combien de temps qu'on est parti? Ça devrait aller. Et vu qu'on a remplacé un camion de CD par un camion de C4, je préférerais qu'on y aille doucement dans les virages. Donc, pas moi. Tu m'avais pas dit que tu piloterais un camion d'explosifs à fond la caisse sur des routes de campagne? Oh putain. Je suis pas sûr que ce soit un ennemi. Apparemment non. Apparemment non, c'est bon. Là je peux fuir. C'est bon. Je crois que c'est bon. Oh putain, on est bon. Et boum. C'était ça le boum. J'aurais plus dit un coup de tonnerre perso. Bah ok. À quoi ça sert d'avoir des canalisations si elles sont bouchées comme ça, quoi? C'est débile. Enfin bon. Autant pour moi. Je me téléporte et on y retourne. On continue. On est où dans l'épisode de passage? Du coup, parce que là, du coup, j'ai percé. Ça fait un double épisode pratiquement, là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Piaf! Et il me nargue en plus, hein. Poulet! Oh non! Putain! Voilà! Ah la vache! On aurait mis du temps. Bon, où qu'il est? Moto. Pas hélico, mais moto. La grise. Elle va bien avec mon costume. Le mec qui te sort des arguments comme ça. Non, non, elle est, quoi, elle est rapide, elle est... Non, non, elle... Tout à l'heure, j'ai fait des cascades de malade mental. Et là, je me suis bouffé un gravier dans la tête. Alors, est-ce que mon pote va se TP? Parce qu'apparemment, ils sont restés au point de base, hein. Ah, ils se disent qu'il faut y aller. Il est en train de crever, le bonhomme. Et là, ils sont TP. Cool. Merci, les mecs. Vous êtes des vrais potes, hein. Sangoku, c'était un vrai copain aussi, hein. Il se téléportait souvent. Où est ma moto? Elle m'a porté chance jusque-là. Je veux continuer avec... Ok, on est bon. Apparemment, j'ai des pneus en métal parce qu'apparemment il y a une grosse quantité de comment que ça s'appelle de d'étincelles qui en sortent. Regardez ça. J'ai jamais vu autant d'étincelles au niveau des pneus. Je ne comprends pas. Comment cela peut-il être possible? Oh là là, ça c'est ça. Ça par contre, ça me rappelle clairement. Des endroits de la map de... Merde, il y avait un passage juste à cet endroit là en fait finalement. Des endroits de la map de Red Dead Redemption. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? La route est sublime. Ouh. Il y a un peu des gens de l'Unidad. Sans vouloir. Arrête d'être au téléphone. Faut
vraiment que t'apprennes à lâcher ton téléphone, toi, Simone. Ah, va avoir une casse qualifie. Wow. T'as un doute. Tu vas te faire griller. À terre, t'es trop visible. Je peux difficilement être plus allongé en fait, copine. T'es mignonne, mais ah, il se passe des choses toute seule sur mon bureau. L'esprit de mon bureau est là. Oula. Oula. Eh ben voilà. C'est un décès. Je suis parfaitement coincé dans le jeu. Allez. Bon bah, grenade... Voilà. C'est... J'ai envie de refaire... Oh, bah oui. Qu'est-ce que tu foutais ? Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Raglancé, comme une merde à couleur rose. Ah non. Et ils veulent pas me laisser mourir, hein. Ah non, j'ai vraiment pas l... Ah, attendez. Oh putain. Ce jeu ressemble à rien. Là, pour le coup, je suis désolé. Hein. Faut être honnête. Hein. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Je suis passé. Pilotage. Ouais. Eh bah dis donc. On donne un petit concert dans un village nommé Umamarca. Roman, on a découvert que ton cher El Chido prépare un concert quelque part à Umamarca. Ils appellent ça le Pachangon Boliviano. J'aimerais bien y aller. Enfin. Que sera, sera. Qu'on empêche le cancer d'avoir lieu. Madame. Sur place, gâcher la fête. Oui, madame. Empêchez El Chido de chanter et faites en sorte que ça se remarque. Je reste. Ok, ça va, on est tranquille. Faut que j'annule un concert. C'est les super missions du jeu. Ok, bon bah écoutez, concert à annuler, concert à annuler. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va quand même aller là en entre temps. Attention, on va pas mourir bêtement. On va se faire livrer un véhicule qui est arrivé à 40 km, ce qui m'emmerde bien comme ça. Madame, je dois vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît, merci. Sors de là, vite. Me force pas à employer la machine. Monsieur, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Ah bah, madame, excusez-moi, hein, vous. Je vous avais oublié, hein. Ok, bon, on va aller chercher un deuxième point, comme ça on pourra avoir les différents types d'armes qu'il y a dans cette région, tout simplement. Histoire qu'on puisse quand même s'intéresser à ce qu'on peut trouver dans cette région, un petit peu. Hein. Ça peut être sympa de trouver un nouveau snipe, tout ça, tout ça. Et bien sûr, pour ça, il faut passer dans une base ennemie. Ça me semble logique.
Comme une mierda culeros. C'est, je commence à parler espagnol à cause du jeu. Ou grâce au jeu, ça dépend. Ça dépend. D'accord, il y a le train qui passe juste à côté. Plus ou moins. Et il n'y a strictement rien de dangereux dans cette zone. Ce point est donné cadeau. Eh bah putain. Bon bah file-moi les caisses d'armes. J'ai besoin de savoir ce que j'ai dans la région. Micro T1. D'accord. Ici c'est quoi? Un P227, quand puissance et capacité font bon ménage. D'accord, ça a l'air sympa visuellement comme arme. Il y a combien d'armes dans la région? 2. Et ici nous avons un... D'accord, une mitrailleuse légère. Bah que des armes qui m'intéressent pas, c'est cool. Hola madame! Hola señorita, muy bonita, hey! Je te respecte énormément! Ok, bref. On va là. On va choper cet intel critique qui est juste... On va là ou on va là? Nous avons appris que le concert... Le concert. Avoir lieu à un endroit... J'annule un concert. À nous de le déprogrammer. Aller sur place et saccager tout. C'est les épisodes... En fait, apparemment, il y a des moments où j'ai vraiment pas de chance dans mes tournages. Genre... le tournage part pas, ou bug en plein milieu, ou c'est un tout seul, ou alors j'ai le jeu qui bug, comme avec Prey, comme avec Ghost Recon. La scène du concert est droit devant. On va voir ce qu'on peut faire pour empêcher El Chido de s'y produire. Tu veux qu'on fasse tout cramer? T'emballe pas trop, on va peut-être se la jouer un peu plus subtil. Je plombe ces fils de pute. Bon lieutenant Sky, laisse-toi à couvert, mets-toi. J'ai éteinte la lumière? Ouais, j'ai éteinte, cool. Du coup, normalement, quand je fais ça... Tu vas te calmer, oui. Allez, ça revient à la santé, merci. Voilà. Reste là. C'est bon, je l'ai eu. Eh les mecs, vous vous occupez de vos potes ou pas? Putain, y'en a un qui me tire dessus là. Je sais pas d'où. Ah, toute la région est chaude as fuck. Ah non, c'est ma santé en fait qui était très très basse. Vous savez quoi? Je vais me barrer. Allez, régène. Je fous de ma gueule là. Tu sais quoi? Allez, boum! Ça y est! Quoi? Je l'ai eu. Merde!
Ah, on n'y arrive pas, hein. Ah, ça chie dans la colle, là, hein. Je vous le cache pas. Nous avons appris que le concert d'El Chido devait avoir lieu à un endroit nommé... Je suis au courant, je suis dessus. Merde, les cons. Allez sur place et saccagez. Tiens, voilà. Je sais pas ce que je dois péter sur place, c'est ça le truc. Forcément, il y avait un mec dans mon dos. Et il y a un mec encore devant. Monte ta tête qu'on se marre. Ce que je disais. Ah ah ah. Atrix. Putain. Qu'est-ce que c'est? Tiens bon, je vais te rejoindre. Qu'est-ce que ce bordel? Il y a un hélicoptère qui s'est posé là. Enfin qui s'est crashé là. Ok. Voilà. Là ton concert c'est où tu peux te le carrer hein. Voilà. Allez. On se casse. Il y a un terrain de foot en même temps. Ah. Salut copine. Hop les. Bon la sono c'est réglé. Ça aurait été des trucs sympas à détruire parce que c'est de la propagande aussi. C'est... Mais regarde ça, les mecs sont en train de faire un foot. Votre bagnole. J'ai pas le droit. Je croyais qu'il me tirait dessus, mais t'en as... Qu'est-ce que tu fais? Tu finis à ma position, c'est... C'est ta stratégie pour me dire que je suis bienvenu dans le coin, c'est ça? T'es pas sérieux quand même là. Le mec il me regarde même pas mais il m'a repéré quoi. Vous avez vu? Le mec me regarde même pas. Mais je suis grillé. Oui, je prends mon temps, hein, les photos à prendre. Tout ça, c'est selfie, photo. Voilà, je suis mort. Cool. C'est pas grave. Voilà. Mort au combat. Non, c'est vrai. Pff, débile. Le mec sur les mitrailleuses me regarde même pas, mais il me repère, quoi. C'est... Voilà. C'est si compliqué de créer une IA réaliste dans un jeu de tir. Enfin, je veux dire, je sais pas... Je sais pas. Bon. Salut les gens, parce que moi, ça me pète une... Je vais péter une durée de bientôt, là. Salut.